Aujourd'hui, nous découvrons Iron Danger, un jeu de rôle tactique développé par Action Squad Studio et édité par Daedalic Entertainment. Sorti le 25 mars 2020, vous pouvez y jouer sur PC. Ce jeu unique mélange des combats stratégiques et des mécanismes de manipulation du temps, vous permettant de contrôler chaque mouvement de votre équipe pour vaincre des ennemis redoutables. Si vous aimez les défis tactiques et les histoires immersives, Iron Danger est fait pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour explorer Iron Danger ensemble. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Iron Danger, Shard of Time. C'est un tactical RPG, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas spoil comme d'habitude. Donc nous allons partir sur cette belle découverte. Moi j'adore les jeux comme ça justement. Et donc, il avait l'air sympa, donc je voulais vous le présenter en découverte. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite cinématique? Oui, est-ce que c'est doublé? At ease, C'est Quartermaster. doublé. Now my steward has informed me that the entire Blessed Water garrison died in the line of duty against the Northlanders, leaving you the sole survivor. Is that correct? Yes, sir. The Northlanders took many slaves, civilians primarily, but it may well be some of my comrades were taken alive. I'm afraid any possible captives are to be written off. Queen Lohi works her prisoners to death quickly. By now, all those taken are surely either in her slave camps behind the gates of Northland, or lying dead somewhere along the way. Yes, sir. I understand. My report, sir. Let me just compose my thoughts. Alors, ça a l'air d'être une petite production, les gars, hein, parce que vu la qualité des modèles 3D et des personnages. Après, je sais pas, j'avoue que là, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas le jeu date de quelle année. Slow down, Quartermaster. I've never seen the like before, Lord Amphia. Black iron soldiers with swords and sledgehammers bolting onto their bodies. And that's not the half of it. The giant smoke. Okay, donc il y a eu, un massacre dans un château apparemment. We never stood a chance. I escaped the castle with Kipuna and we made it to the boat and then... Il est sûrement allé dans une autre région pour demander de l'aide. Your report is incoherent. Quiet down for a while. Now, you were attacked by the Northlander army and the castle was overtaken. You mentioned Kipuna. This is the civilian you brought with you, correct? Yes. Yes, sir. Kipuna? Don't be afraid, girl. Come forward. Ok, déplacer la caméra en maintenant le clic droit. Ah ouais, non, c'est là ils ont inventé un nouveau... Faut que j'aille jusqu'où? Ah d'accord. Oh, ils se déplacent et tout. Ça fait très MMO quand même. Don't be afraid. It's clear you've gone through far greater dangers than just talking to an old man. You're safe here, Kipuna. The city of Kalevala is the greatest men have ever built and well defended from Lohi's legions. But your injury is quite astounding. How, with that object embedded in your chest, are you still alive? The healer of Broomhead, my lord. I would have died without her, I'm sure. And she's the one who taught me magic. The healer of Broomhead, a figure from fairy tales. And she taught you magic. I see. Kipuna. Mais bien, mais faites-le en cinématique, s'il vous plaît, quoi. Start from the very beginning. Est-ce qu'ils ont entendu mes faveurs? Non, pas du tout. Ça va être le didacticiel. Donc si aucune action n'est sélectionnée, clic gauche fera marcher vers une station ou récupérer les consommables. Ok. Kipuna, are you in there? Can you hear me? Kipuna! I'm here! What's going on? I smell smoke! There's debris blocking the door.
I tried to move it, but it's too heavy. Can you force it open from your side? I can try. Ok, si vous pouvez cliquer sur un ennemi ou un objet cassable pour porter une attaque de mêlée. Donc déjà on récupère ça. Il y a d'autres trucs à récupérer, non? Je vois pas, ok. Hop. Hop. On voit en haut la santé. Kipana, you're unharmed. Something's burning. Is it the mill again? We're under attack. Come on, run. The castle must still be safe. Who's attacking us? Ok. Donc on court. Oula, oula. The bridge just blew up. Northlanders, quick. Let's go through the marketplace. This way. T'en peux pas rester appuyé. Ça fait très très MMO quand même. Pour l'instant. Mais c'est plutôt sympa cette mise en scène, mine de rien. Ah! Oh! Ah, waouh! Right through me. I'm wounded. No. That's not right. I'm dead. Kipuna, this is not how you die. I've already died. This thing, it's pierced my heart. That cannot be helped. But if you never fell, the thread never broke. And there is a way for you to live again. I don't understand. Who are you? Shush now. I will help you wind back the frayed thread. Turn the spindle. Gently. Les lignes temporelles en bas de l'écran disent en 14 battements de 0,5 secondes. Le rectangle bleu représente le temps présent. Vos actions sont enregistrées sur ces battements pour que vous puissiez changer librement en reculant ou en avançant le temps. Les longues actions rouges représentent les dégâts que vous avez subis à l'impact. Clique n'importe où en arrière, juste entre votre chute. Lise la barre de sablier pour activer et désactiver la transe. Quitter la transe en appuyant sur le bouton. Du coup, je vais pas retourner là. Si. Ah oui, mais cette fois, elle passe par un autre. Ok. Itooni, what is that thing in your chest? A piece of shrapnel. It's glowing red hot. It hurts. I don't understand. I. Can you still run? I was in a cave. Just past that market square. We can make it to the castle. I can't feel my chest. Ouais. My child. Ah. Again, you have erred. Pourquoi lui s'est pas fait tirer dessus? Dead. You are in a deep trance. Step backwards to life and find another way. Notamment au début du combat, la transe se désactive une fois le combat terminé. Évitez la flèche pour traverser. Quoi ? Cliquez sur l'idée, vous pouvez utiliser la molette pour toucher pour avancer et revenir dans le temps. Mais attends, mais il vient de taper un dash, mais moi j'ai pas de dash. Ah, c'est chaud. Ouah, c'est ultra dur. Attends, parce que là, elle me voit. Même si elle me voit pas, elle me focus. Ah, D esquive. D'accord.
Mince. Mais pourquoi le temps il s'arrête et d'un coup il... Ok. Ok, ok, je comprends le principe, je comprends le principe. Un petit dash. Je m'habitue à utiliser dash. On va bien avoir un combat. This castle looks pacified to me, aside from that straggler. Too old to fight back and definitely too old to be of any use as a... Franchement, c'est stylé cette histoire de remonter le temps ou pas. Let's head down, tally the prisoners. Attends, c'est quoi ce gros mecha là qu'il y a derrière? On gagne jamais là. Once the cleanup's done, we'll assemble at the city gate. Marshal Coke Cop will want them branded without delay. You'll never take Calavera. We'll drive you back north all the way up Lowhey's Skirt. And then... That old lout won't stop interrupting me! Cleanup crew, you take care of him. Everyone else, move out. Ok, pour perfectionner votre timing, choisissez la compétence effectuée puis utilisez la molette de la souris pour avancer le temps jusqu'à l'action parfaite. Toute la durée de l'action et le point d'action sont affichés. Ah ouais, d'accord. Timing de dégâts subis est représenté par un X rouge sur la ligne temporelle. Pour éviter les dégâts, utilisez une commande de blocage sur le même battement. Si le X est au milieu d'une action multi-battement, utilisez l'action attendre pour annuler l'action longue. Et placez votre défense sur le battement approprié. Évidemment, il faut d'abord subir des dégâts pour savoir pour bloquer. D'accord. Au lieu d'utiliser blocage, vous pouvez aussi interrompre l'ennemi qui a infligé des dégâts avec une section des compétences d'attaque. Un diamant indique que vous avez allé infliger vos dégâts. Si ce diamant est placé avant le X, vous pouvez interrompre l'ennemi. Ok. Bon, ça a l'air chaud. C'était quoi les touches? D'accord. Alors déjà... Non, non. Ok, donc je contrôle lui, je peux rien faire pour les autres. Donc on me dit blocage. Alors lui déjà il est mort, Tammy, on peut rien faire. Ensuite... D'accord, donc c'est là qu'il faut que je mette le blocage. Ici. À la limite, je pourrais avancer. Hein. Ensuite, blocage. Ensuite, attaquer. Are you the only one of the garrison left? Yeah, you're badly hurt. I thought I died. Listen, I've got to get to Calavera and warn Lord Antheor. To Calavera? The capital? Lohi is preparing an attack on the city of Calavera itself. If they can take the city by surprise, then all... Franchement, ça change, hein. En fait, c'est du semi-temps réel. Et en même temps, c'est du tour par tour. C'est un peu à aspect. Can you navigate the bay? Yes, but... Good, good, because I'm rubbish at it. But somebody needs to get me to Calavera. So let's keep moving. Non, bah attends, en passant par le marché. Ah, bah c'est bon. Alors là, il y a un ennemi. Là, de toute façon, on peut rien faire. Il y a des trucs à ramasser ou pas? Non. Une boîte de pointe de flèche. Je peux passer ici. Il y a d'autres trucs par là. Non, ok. Donc j'ai fouillé. Maintenant, il y a un truc là. Oui, un peu, hein. Désolé parce que je découvre le jeu, je ne sais pas ce qui est récupérable ou pas.
prendre le tonneau. Tonneau d'huile. Ok. Là, ça aurait pu être un coffre. Quoi? Mais pourquoi elle m'a pas suivi? Elle va crever. Bah, du coup, elle va crever. Hein. Ah ouais. Ok, ok, on va attendre qu'il tire son boulet alors. Ah. D'accord, donc on doit ressortir de l'autre côté. Ça. Mur blanche. Ok, donc faudra... Mince. Ah, c'est trop tôt. Trop tôt. Bon, j'attaque. Hein. Il attaque jamais, donc autant l'attaquer. Hein. Bon. C'est quoi ce bruit? Attends, il y a un truc vers en bas. On va avancer. Ok. On peut pas passer par là. On peut pas passer par là. Réservoir de carburant. Que ça est utile, hein. Pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Y a pas de porte, y a rien. Stop! More enemy soldiers. There's no other way to the pier. I'll try and block their attacks. All right, I'll stay out of their way. Ça serait bien qu'elle me donne un coup de main quand même. Attends. Ok, ça va, en vrai, c'est pas plus compliqué que ça hein, à jouer. Quand on a compris le principe, ça va, en vrai. Ok, c'est pas là. Ça va sûrement être à droite. Pas du tout. Ah, c'est là. Heureusement qu'il y a une petite flèche parce que je l'avais pas vue. Hein. Il y a des trucs. Non, il n'y a rien à ramasser. Rien à ramasser, on peut l'ouvrir. Ok, ça se passe pas trop mal. Mais attends, mais on est revenu à la maison là. C'est un allié. C'est pas du tout un allié. Attends. There's our boat.
Can you sail it to Calavera? I've never sailed that far south, but I'll sail it away from here. Well, good start. Let's go. Allez. Partir en mer. Amélioration de compétences. Réaliser une amélioration de compétences pour Topi. Pourquoi elle est montée de niveau? Séisme. Renverse les ennemis alentour en frappant le sol. Réduction d'armure. Réduit la résistance de la cible aux dégâts physiques. Charge les ennemis pour infliger des dégâts mineurs et les repousser. Bloque toutes les attaques physiques dans un arc de cercle. Améliore le moral, la vitesse, dégâts de groupe pendant une courte période. Ou... En vrai, la réduction d'armure, c'est ce qui me paraît le plus fort. Hein. Coup de pique. Ah, coup de pique, c'est ce que je faisais. C'est l'attaque que j'ai utilisée le plus. 15 points de dégâts. Passe à 60. On voit pas c'est quoi la difficulté. Ça veut dire qu'il a peut-être pas déjà le coup. Dégâts 10. Pourquoi on voit pas ici là l'amélioration? Pas chaud pour réduction d'armure, non. Kipuna, elle est morte 7 fois. J'ai tué tous les ennemis. J'ai mis 15 minutes. Et 5 minutes en transe. Ok. On continue. On va pas avancer très très loin non plus dans le jeu. Hein, mais au moins, on voit un peu ce que ça vaut. Maybe you should lie down for a second. I can handle the boat for a little while. Oh, I've never seen an injury like that before. How are you still alive? I shouldn't be. I should be dead, shouldn't I? Maybe I am. Oh, no. Of course not. Just take a breather. You'll be fine. You'll... I won't. I'm getting weaker all the time. The river will always flow down to the sea. That's something my mother said. Things will always go the way they're meant to go. But they won't. She didn't know. My rivers run upwards, away from the sea. I'm not meant to be alive. Look, I know you're hurt, but we can't give up. We have to get to Calavera. I won't last that long. It's already getting dark. And besides, everyone I know is dead. What difference does it make if I die as well? Now, listen. By Tuoni, maybe you are too hurt to make it. I'll have to get you to a healer. What healer? The healer of Broomhead. It's right across the strait. I can sail us that far. The healer of Broomhead? That's just an old story. So old. My grandparents heard it from their grandparents. Pour l'instant, les gars, je suis vraiment hypé hein, par ce jeu, il est vraiment cool. Maintenant, c'était du 1v1, à voir comment ça se complique avec plusieurs ennemis. Parce que ça peut vite devenir compliqué. Hein. Damn this boat, this lake, everything. And damn me, the stupid ox I am. The healer of Broomhead, the red witch of Broomhead. She's likely to eat the girl as the healer, if she exists at all. Well, she better exist. I
can't pilot this boat all the way to Calavera, but Broomhead's only just across. Now I can do that much. Ah, une péninsule de l'autre côté du détroit depuis ma ville natale. Elle n'est pas habitée et toujours entourée de brouillard. Les histoires racontent que les maïs y vivent et qu'on peut y trouver une sorcière ou se perdre à jamais dans la forêt. Chapitre 1, partie 4, le chemin caché. Topi m'a promis qu'il pouvait nous emmener jusqu'à Bombcap. Si je me sentais aussi faible, j'aurais opposé un peu plus de résistance. Nous sommes arrivés à destination assez rapidement pour trouver une sorcière de conte de fées. This is it, Kipuna. The healer's house is somewhere nearby. I can hardly walk. It may be too late for me. Just a little while longer. Once we get you patched up, we can get to Calavera and warn Entheor. You all right? Est-ce que c'est par là? Look, there's a door up there. There must have been a whole fortress. Parce qu'on peut pas passer par ici, donc on va faire le tour. On va sûrement se battre contre des animaux sauvages, non? My friend is hurt. Where can we find the healer? You won't need a healer. I'm a surgeon. In fact, I'll cut both of you open right here. Don't you start. And I'll take that shiny thing you've got in your chest too. Come here, girl. No! Some deserters, I'll bet. Bandits. But why would bandits set up an ambush so far from roads and towns? Oh, cowards and outlaws naturally scurry to remote places like this. Ok. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de loot. Vous voyez, il y a vraiment zéro stuff à récupérer. Il faut monter par là. Ok, je suis pas... Comment ça? Ah, c'est Kipunag. Ah, elle a 20 PV. Je m'étonne qu'elle se bat pas. À mon avis, il faut continuer. Dans l'herbe de... J'ai entendu quelque chose. If we run into any more trouble, you just stay back, you hear? Let me handle it. Look, there are some of those tall weeds growing over there. That's a good hiding place for you. Don't get yourself killed, all right? Ah, these are just bandits. They'll fold quickly. Alors, faut que je tue les bandits. Y a la marche faufilage. Mince. Fait pour sortir de ça. Ok. J'y vois que dalle à cause des arbres. Oh bah alors là. Tôt.
Ok, ça se passe plutôt bien. Et lui, je vais essayer de le frapper direct. Ok. A merry little band of cutthroats these with their sorry camp. But I think I know why they were here. Really? Same reason as we are. Looking for the healer. Too late for them. But not for you. Let's keep going. Il y a forcément un peu de loot là, non? Tonneau, si je le prends. Tonneau de poisson. Ah, je suppose qu'il faut continuer par là. Pierre droite. Encore. Donc là, on est sur le bon sentier. Hold on. I've got to catch my breath. Yeah, all right, but not for long. So much fog. That must be why they named it Broomhead. And the sun's going down. Alors attends, il y a un truc là. Non, il y a rien, ok. La musique est assez cool aussi. J'aime bien. Don't go near those lights. No. I don't think they're dangerous. What are they? Let's find out. Il y a maintenant deux lignes temporelles à l'écran, un par personnage. Vous devez choisir des actions séparément pour chaque, mais ils peuvent effectuer au même moment. Pour effectuer des actions simultanées, assigner une ou plusieurs actions au premier personnage, puis revenir en arrière, choisir le second personnage, etc. etc. Ok. Donc. Look, the stairs rose part way. Oh, with more of them, we could get to the door. Yeah, but why? There's something about that door. Let's be ready when the light hits. Ah. Ah, il faut que je sois dessus quand elle est quand c'est illuminé. D'accord, je comprends. Ah, I understand, my friend. Another step. That's good. Let's continue. Ok. De toute façon, je peux pas savoir. Ok. Donc là. Là, il faut que sur celle-là, je sois déjà sur les deux. Donc, je vais prendre elle. Elle va venir là. Et lui, il va venir là. There. The path to the doorway is complete. That's where we should go, right? Yes. Let's go. C'est parti. I'm sorry. I thought I could, but I can't go on anymore. Everything's going dark. I don't. Something is really happening, though.
parler avec la guérisseuse. She needs help. Did the gateway toy with you on the way? What? Yeah, we got through the gate. Look, she's badly hurt. We need your help. You did before and got it. You'll have it again. I don't understand any of this. But she's dying. Please help. She's being born. A painful thing. Come in. We'll help deliver her. Ah. Encore un nouveau. Je vais améliorer coup de pique cette fois-là. Continuer. Ok, la guérisseuse. Je me suis évanoui de douleur et d'épuisement. Mon esprit est allé dans un autre royaume. Rêve de feu. Quand nous avons trouvé le portail vers la face cachée, j'étais sur le point de m'évanouir. Je ne savais pas si ce que je voyais était réel. Tout est vrai. Et nous l'avons traversé. Je me suis retrouvé dans un tout autre endroit. Ok. Bah, les amis, en vrai, j'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Donc je pense qu'on va, faire la pause ici. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a pu voir quand même le gameplay dans sa globalité. Hein. On n'a pas vu de boss ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est concrètement la même chose. Mais en plus poussé, un peu plus difficile, etc. On a vu un combat contre 3 personnes. En réalité, bon, ils étaient assez simples. Hein. Ils ont moins de 100 points de vie. Donc je les one-shotais. Mais il fallait quand même avoir un bon timing. Et ce jeu, c'est que du timing en fait. Je sais pas si vous l'avez vraiment bien cerné et tout. En gros, il faut se prendre les coups pour comprendre comment contrer les coups et essayer de taper quand on est complètement en sécurité, en fait, pour perdre le moins de points de vie et tuer le plus d'ennemis possible en même temps. On a plein de capacités, on a plein de possibilités. Par contre, il y a quand même un petit problème sur le jeu. C'est que, en tout cas, celui que moi je vois, hein, c'est mon avis personnel, mais c'est compliqué de bouger. Et en plus d'anticiper les ennemis, quand il y en a un, ça va. Mais quand il y en a plusieurs, je pense que ça devient vite un gros bordel. Le mieux à faire dans le jeu, ce que je pense, c'est de faire attendre. Et juste de laisser les ennemis faire leur vie. Et de composer avec ce que fait l'intelligence artificielle, en fait. Parce que bouger dans un... Au début du combat, tu peux choisir où tu démarres à peu près, on va dire... le combat, c'est-à-dire que si tu veux attaquer les ennemis vers la droite, d'en bas ou d'en gauche, de gauche, bon bah ça, si tu peux le faire, je pense que tu peux choisir de le faire. Par contre, il faut composer avec ce que font les IA, quoi. Parce que si tu bouges, tu risques de te prendre un coup. Donc autant attendre que l'ennemi vienne à ta portée pour au moment même où il rentre dans ta portée, que tu puisses lui mettre un coup avant même qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Donc c'est plus un gameplay, malheureusement, hein, de ce que j'ai vu et ce que j'en pense là maintenant, c'est que c'est un gameplay quand même assez passif pour un mode de jeu qui est censé être un tactique en semi-temps réel. Ça fait un peu bizarre. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas pris la bonne stratégie. En tout cas, ça a bien marché pour moi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette découverte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres découvertes. Il y en a 2 par semaine normalement, si j'ai le temps de les tourner évidemment. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser les gars, c'est important. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.